Moi, je m'appelle Caroline, je suis la maman de Florian, ici présent, qui est sourd et muet. On s'est rendu compte de la surdité de Florian assez tard, donc il avait déjà plus d'un an et demi. Florian essayait de marcher, mais dès qu'il se levait, il tombait tout le temps. Et donc, on a été à l'hôpital plusieurs fois sur la même semaine pour des commotions parce qu'il tombait tout le temps et au même endroit en plus sur la tête. Et ils ont fait des examens et ils nous ont appris que voilà, c'était à cause de son équilibre parce qu'en fait, il n'entendait rien du tout. Apparemment, on a tous deux points d'équilibre de chaque côté, donc quatre au total. Et l'oreille, en termes de Florian, étant fortement endommagée, il n'y a aucun des points d'équilibre qui fonctionne. Donc, il ne sait pas rouler à vélo, il ne sait pas faire de trottinette. Il rêverait de faire du ski, mais ça reste un peu compliqué. Quand on a appris la surdité de Florian, on a directement commencé à apprendre la langue des signes. Donc moi, j'ai fait une formation intensive d'une semaine, de 8h à 17h, avec vraiment toutes les bases pour pouvoir commencer. Et au fur et à mesure, il a eu 3 séances de logopédie en langue des signes avec une logopède spéciale par semaine. Et chaque fois qu'on allait l'amener, ben voilà, je demandais un ou deux petits mots en langue des signes pour pouvoir continuer l'apprentissage, le nôtre d'abord et puis après le sien, parce que nous on signe à la maison pour lui apprendre les signes dont il a besoin pour communiquer avec nous. Toute la famille, oui, maintenant il y en a qui s'investissent un petit peu plus que d'autres. Donc Florian a la chance d'avoir un frère jumeau qui ne rencontre pas de difficultés au niveau surdité, mais qui a appris parfaitement la langue des signes pour savoir communiquer tout le temps avec Florian et traduire pour Florian aussi quand il doit aller à l'hôpital, quand il était au scout, quand ils sont avec des amis et que moi je ne suis pas à côté. Alors Lucas prend le relais et traduit tout ce que Florian aurait besoin de savoir ou qu'il ne comprend pas. Nous, on utilise principalement la langue des signes pour lui apprendre les signes, pour que lui, quand il veut communiquer avec nous ou avec quelqu'un, il fasse les signes et on le comprenne. Quand il partait au scout, quand il rentrait dans une nouvelle classe à l'école ou quand il allait vraiment dans un nouveau stage, par exemple, alors on prenait chaque fois le temps de donner des signes de base, une trentaine de signes, par exemple, pour les scouts, pour lui dire d'attendre, lui dire de se calmer, lui dire bonjour, merci. Et donc voilà, on apprenait chaque fois aux différentes personnes qui entourent Florian les signes de base pour que les consignes soient comprises de manière générale. Les scouts, comme je dis, se sont investis et quand chaque année on apprenait les signes aux chefs, alors les chefs demandaient que tous les enfants soient présents. Et on était tous assis au sol avec tous les enfants. Et donc, tous les enfants suivaient la petite formation pour pouvoir aussi, pendant le camp, pendant des hecs, pouvoir parler à Florian. Et en fait, les enfants étaient super heureux d'apprendre. Et les parents revenaient vers nous après en disant « Ah, merci beaucoup d'avoir donné des petits signes comme ça à notre fille. Notre fils, il est revenu enchanté d'avoir appris quelque chose en plus. » Donc, je pense que c'était une richesse aussi pour les autres enfants de découvrir un peu ce monde-là. Et puis quand on disait « bon, c'est le dernier signe », on pourrait en avoir encore 2-3 en plus. Oui, si vous voulez. On a eu la chance d'avoir une place dans une classe inclusive. Donc Florian est inscrit dans une classe de spécialisé type 2. Mais sa classe de spécialisé type 2 est dans une école générale, le séminaire de Floref. Et donc, dès qu'il est capable de faire, par exemple, des mathématiques niveau première primaire, il part dans une classe de première primaire générale pour faire le cours de maths, avec les deuxièmes générales pour faire le cours de gym. Et quand ça devient trop compliqué pour certaines matières, alors il reste dans sa classe et il a des exercices vraiment pour lui, en fonction de ses compétences et de ses capacités pour le faire évoluer au mieux. Donc ça pour nous, la classe inclusive, c'est vraiment chouette. Et c'est sa dernière année, donc il termine ici en juin. Et il est inscrit dans un tout nouveau projet, la première classe inclusive secondaire ici en Wallonie à partir du mois de septembre. Donc il va pouvoir être le premier élève à découvrir la classe inclusive en secondaire aussi. Pour donner une petite anecdote et montrer comme c'est riche et intéressant pour les autres enfants aussi.
Donc Florian, sa classe est un tout petit peu décentrée par rapport à l'école. Elle est avec 3 autres classes de général pour ne pas avoir non plus trop d'élèves autour d'eux. Et comme ils doivent traverser la rue pour pouvoir aller dans la cour de récréation, ils avaient fait une petite liste pour que les 6e primaire générale à tour de rôle puissent s'inscrire s'ils souhaitent pour accompagner Florian et les autres copains de Florian en cours de récréation. Et ils ont dû enlever la liste parce qu'en fait, il y avait des listes d'avant, tout le monde s'inscrivait, tous les enfants avaient envie de venir chercher les enfants de la classe de Florian et les amener au cours de récréation. Et donc, c'est devenu une habitude, ils viennent tous en groupe les chercher et ils les amènent et ils essayent de parler avec eux. Et puis, ils jouent quelques minutes avec eux le temps qu'ils soient cool et qu'ils se sont bien acclimatés dans la cour de récréation. Et puis, ils les laissent. Et donc, on a dû enlever cette liste parce que tous les élèves voulaient participer au quotidien, donc voilà. Il a été implanté de la première oreille quand il avait 2 ans et la deuxième oreille quand il avait 3 ans. Ça a été compliqué pour lui de s'habituer parce qu'il recevait des petites décharges électriques dues à l'implant. Il fallait que son nerf auditif s'habitue à recevoir des stimulations parce qu'il n'avait pas été stimulé pendant des mois et des mois avant. Mais une fois qu'on l'a lancé et qu'il s'est habitué à ses implants, il ne saura plus faire sans. Il ne saura plus faire sans parce que si à un moment il enlève son implant et qu'il le pose et puis il ne le trouve plus, il est complètement perdu et quand on les retrouve, il nous remercie, il nous embrasse d'avoir retrouvé son implant. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important pour lui dont il ne sait plus se passer. Donc je pense qu'on a pris la bonne décision. Allez, viens. Je pense que les gens ont peur que ce soit compliqué, que ce soit plus difficile qu'avec des autres enfants et en fait c'est pas le cas. Donc je prends l'exemple par exemple d'un cours de ski que Florian a pris parce qu'il rêvait quand même d'essayer. Et au moment même le moniteur dit mais moi je ne saurais pas lui donner cours. Alors je dis si vous verrez, je vais vous montrer 3 signes, ça va être très facile. Vous lui dites d'attendre, de regarder. Vous faites le mouvement qui est bien, vous lui dites que c'est bien. Vous faites un mouvement, vous dites que c'est pas ça qu'il faut faire. Et ça va bien se passer si vous restez calme. Et ça s'est très bien passé. Et Florian a pu essayer de glisser un peu. Enfin, il a quand même beaucoup aidé. Et le monsieur était ravi et enchanté. Et il nous a même remercié en disant merci d'avoir quand même insisté. Parce que voilà, je ne me sentais pas du tout prêt à encadrer un enfant comme Florian pour une heure de ski. Et au final, ben voilà, c'était tout à fait réalisable. Donc je pense qu'il faut vraiment enlever des a priori, enlever des idées préconçues et juste essayer. Et c'est en essayant qu'on verra si ça se passe bien. Et bien souvent, ben, une fois qu'on a essayé, ben, on ne voit pas pourquoi ça ne roulerait pas.